Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement Swing Sculpt, la dernière vidéo d'entraînement sur cette fois le finish. Qu'est-ce qu'un bon finish? Avant de démarrer cette vidéo, je me présente, je suis Adrien Dubois pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, entraîneur de l'académie OPP Golf. Voilà, je suis entraîneur aussi sur des stages en France que je vous propose, des voyages de golf et dans plusieurs clubs de la Côte d'Opale où je propose donc les stages et les entraînements. Et vous pouvez retrouver également tous les programmes en ligne avec l'académie en ligne. Je vous mets ça juste en dessous qui vous permet donc d'être coaché et d'avoir votre propre plan d'entraînement en fonction de votre niveau et vos objectifs. Bien évidemment, cette académie en ligne est accompagnée de stages en physique. Voilà, tous les deux mois, il y a des stages qui sont proposés dans différents lieux de France, donc n'hésitez pas à découvrir. Voilà, on passe sur cette nouvelle vidéo d'entraînement gratuite sur les réseaux. Donc, vous pouvez retrouver ça aussi donc, en vous abonnant gratuitement YouTube, Instagram et Facebook. Voilà, pour suivre la chaîne et puis être notifié et aussi m'encourager à continuer et bien de vous offrir ces vidéos pour que vous puissiez progresser et devenir plus régulier. Aujourd'hui, on démarre cet entraînement donc sur le finish. Qu'est-ce qu'un bon finish? Premièrement, le finish, c'est vraiment la position clé qui montre tout ce que vous avez pu faire pendant votre swing. Donc, est-ce que cette position de finish, normalement, elle traduit tout ce qui a été fait pendant la motricité? En tout cas, ça nous donne pas mal d'informations. Il peut y avoir des petites tromperies, on va dire, qui font qu'on a un bon finish, mais est-ce qu'on a respecté les bonnes étapes d'impact, de traversée, de backswing, etc. Mais le finish, c'est une position importante. Quand on se sent bien dans sa position de finish, en général, on a une balle qui vole correctement et qui est aussi dans la bonne direction. Voilà, donc c'est un résultat. C'est vraiment la sculpture du swing. C'est pour ça que j'ai appelé ça swing sculpt, c'est que on voit souvent cette position clé, hop, ici au finish où les joueurs de golf tiennent leur position pendant quelques secondes et redescendent. Pour démarrer cet entraînement, évidemment, je vais vous reproposer un petit échauffement qu'on a vu sur les précédentes séances avec le TerraBand. Je vous remets le même puisque comme ça, ça vous laisse dans les mêmes processus. Voilà, et on va donc réaliser dans un premier temps un premier exercice qui va être lié donc au point mobile. Voilà, c'est parti, bon entraînement à tous. Sculptez votre finish aujourd'hui. À vous de jouer, let's go. On y va, on va démarrer donc aujourd'hui l'échauffement avec le TerraBand. Vous placez le TerraBand devant vous, hop, on rentre les pieds à l'intérieur. On va se grandir avec le TerraBand de telle façon, dans un premier temps, à tenir la posture. Donc là, je tiens la posture dans un premier temps et je vais déjà garder cette posture de maintien en imaginant que je pousse mes bras, mes pieds, la tête dans des extrémités extérieures. Voilà, j'imagine qu'il y a un mur qui se referme sur moi et je tiens cette première position. Donc on y va pendant 20 secondes, c'est parti. Pendant que je vous parle, bien sûr, vous tenez la position. Voilà, on va se placer au practice. N'ayez pas peur du ridicule, vous inquiétez pas. Au contraire, il n'y a aucun problème avec le TerraBand. Et vous sentez normalement que ça commence à chauffer dans les avant-bras, dans les épaules. Voilà, un petit peu moins les jambes pour l'instant, mais le tronc est vachement sollicité dans cette attitude. Il reste donc 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez doucement, contrôlez. Très bien. On enchaîne l'exercice. Donc cette fois, on utilise encore les jambes. On pousse à nouveau pour ouvrir le TerraBand. Et une fois que j'ai ouvert donc ce TerraBand et j'ai créé donc ce qu'on appelle une voile de force, cette voile de force, je fais la petite dédicace à Patrice Amadieu hein, qui avait nommé cet exercice avec la voile de force. On va tourner donc au début à gauche et à droite en essayant de maintenir l'ouverture des bras. Dans cet exercice, ce qui est important, c'est de ne pas refermer. Vous voyez l'ouverture de mes bras avec le tronc, c'est de garder cette ouverture à droite et à gauche. Donc on y va, on est parti pour une série de 10. Allez, on y va, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Normalement, vous allez sentir que les épaules chauffent énormément. C'est un super exercice. Ok, on continue. Hop, on replace les pieds. D'accord. Une fois que j'ai les pieds placés, j'ouvre à nouveau le TerraBand. Et cette fois, vous allez faire des squats. Alors, je rappelle les squats. Les squats vont être des flexions avec une mise en tension plutôt pelvienne, d'accord, par l'assise. Lorsque vous allez vous asseoir,
Il va falloir essayer d'arriver à 90 degrés entre votre genou et votre hanche, mais pas plus. Si vous êtes un peu plus que 90 degrés, tout va bien. Et surtout, quand vous allez descendre, vous faites attention à avoir les genoux dans l'axe de vos pieds. Alors, soit vous avez les pointes de pied très légèrement sur les côtés, soit vous les laissez dans l'axe. Si vous n'avez pas l'habitude de les faire, au début, ce que je vous conseille, je suis encore un peu essoufflé avec l'exercice, ce que je vous conseille, c'est de placer sinon le club sur les épaules et de faire des premiers squats bien placés, sans aucune mise en tension, sans aucun poids. Donc vous pouvez très bien le faire comme ceci dans un premier temps. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous le faites avec le TheraBand. Si c'est les débuts, vous le faites avec le club. On y va, je vais le faire avec le club pour cette première. Et pour les plus experts, vous pourrez le faire avec le TheraBand. On y va, c'est parti. Allez, première. 1. On remonte doucement. 2. Remontez. Placez bien votre bassin descendant. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. On va garder le club et cette fois, on va enchaîner avec les fentes. Alors les fentes, c'est on va avancer un pied devant soi. Peu importe lequel, on va faire les deux de toute façon. Et on va devoir descendre verticalement, je vais vous le montrer de côté, on va devoir descendre verticalement le tronc par rapport ici à la jambe qui est en retrait. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser le tronc tomber en avant, ni trop en arrière. Je vais descendre sans toucher. Et une fois que je suis descendu, je tourne à droite, je tourne à gauche et je reviens en position de départ. Donc j'avance ensuite l'autre pied. Si j'ai commencé avec le gauche, j'enchaîne le droit. Je descends verticalement. 1, 2. Je me replace. Alors je sais que ce n'est pas le plus simple, mais c'est un bel exercice d'équilibre, de rotation, de dissociation, de maintien dans l'espace, d'alignement entre le tronc et le bassin, d'accord, qui va vous permettre donc de pouvoir réussir aussi à avoir des meilleures notions techniques et physiques dans votre swing. Donc on y va, on va en faire 5. Allez, c'est parti, installez-vous, première jambe, jambe gauche, j'avance, je descends, 1, 2, je remonte, allez, deuxième jambe, je descends, 1, 2, je remonte, on descend, jambe gauche, 1, 2, je remonte, je descends, jambe droite, 1, 2, très bien, on a fait deux séries de chaque, troisième, jambe gauche, je descends, 1, 2, je remonte, jambe droite, 1, 2, je remonte, quatrième jambe gauche, on descend, 1, 2, je remonte, jambe droite, je descends, 1, 2, je remonte, dernière, je descends jambe gauche, 1, 2, je remonte, jambe droite, je descends, 1, 2, je remonte. Voilà pour le bas du corps, ça permet de le solliciter tranquillement. On va terminer avant cette séance d'impact sur Swing Sculpt. On va terner un petit peu avec les avant-bras. Donc hop, je remonte un petit peu le polo. On y va, on va prendre cette fois le TheraBand devant soi, ici. Une fois que vous avez le TheraBand, vous le mettez en légère tension. L'objectif, c'est que au moment où je vous dis top, vous allez toujours lui créer une extension en dynamique. Alors ma voix va trembler un petit peu. En dynamique pour que vous puissiez justement solliciter poignet, avant-bras, épaule, etc. Alors seulement, vous ne faites pas en extension complète. Semi-flexion des avant-bras, d'accord? On met une petite tension sur l'élastique et l'élastique ne doit jamais se ramollir. Donc on y va. Prêt. Fléchissez les bras. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, on va faire ça pendant 30 secondes. Allez, courage. Je sais qu'au début, vous allez dire oui, ça va. Vous allez voir avec un petit peu de pratique, c'est un petit peu plus dur. Allez, vous êtes arrivé quasiment à 15 secondes. Il nous reste à moitié. Placez bien votre bassin et votre dos. Quand on fait cet exercice, fixez un point devant vous. Continuez à ne pas détendre l'élastique. Il reste à peine 10 secondes. 4. Et top, on relâche. Normalement, vous avez sollicité vachement le haut. Parfait. Pour terminer,
on va donc placer le TheraBand dans le pied gauche et on place ensuite le TheraBand à plat dans les mains et on imagine que ça représente un club, ok? Comme si c'était le grip d'un club. Une fois que je suis là, je vais tourner et je vais mettre mon swing en tension comme si j'avais un club. L'avantage, c'est que toute la chaîne musculaire du dos va se mettre en tension. Donc là, on peut le faire parce qu'on commence à être chaud. On place bien son dos, on tourne. Tenez, 1, 2, 3, relâchez. On va le faire 3 fois. Tournez, tenez, 1, 2, 3, replacez. Troisième fois, tournez, tenez, 1, 2, 3, replacez. On change de jambe, jambe droite. Si vous avez fait jambe gauche, bien évidemment, vous faites l'autre. Ok, même chose de l'autre côté. On place ceci comme un grip devant soi. On tourne, on tient. 1, 2, 3, replacez. Tournez, 1, 2, 3, replacez. Tournez, 1, 2, 3, replacez. Voilà pour cet échauffement assez basique avec le TheraBand, mais si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir que c'est assez révolutionnaire pour tourner, pour ceux qui ont du mal à vraiment tourner leur bassin et à avoir une belle ouverture aussi d'épaule. Vous allez vous améliorer avec ces exercices de TheraBand, ça sera très bénéfique pour votre swing, pour les mises en tension, pour le maintien des articulations, ou au contraire pour l'armement, le désarmement, pour le gainage entre les abdos et les lombaires. C'est assez fantastique et puis ça prend pas beaucoup de place dans le sac et on peut le faire n'importe où. C'est parti, on démarre avec le tout premier exercice, excusez-moi, swing sculpt, let's go! Très bien, pour démarrer cet entraînement, swing sculpt finish, l'avant-dernière séance avant le challenge de la fin de semaine. Bien sûr, vous savez bien qu'à chaque fois qu'on finira une semaine, il y a un challenge et je vous convierai prochainement à voir ce challenge. Vous verrez, il sera encore une fois hyper intéressant, comme celui de la semaine 1 de contact. Cette fois, pour travailler le finish, premier élément, premier exercice que je vous propose, c'est de travailler avec la volonté de tourner votre poing mobile du début à la fin. On l'avait déjà vu avec un expert motricien, avec Dominique Fournet. On avait déjà vu qu'il y a un point mobile soit haut sur la dorsale 8, soit bas sur la lombaire L4 et L5. Ce point mobile vous permet donc de tourner et donc de vous coordonner. Plutôt, je vais être précis, il permet de vous coordonner pour pouvoir bouger votre corps. Et donc, ce point mobile, on va essayer d'y penser jusqu'au bout. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous installer au practice. Hein, rappelez-vous, la séance, c'est une séance d'entraînement animé où vous installez les écouteurs, le téléphone devant vous. Et on va commencer donc cette fois avec un fer 8, un fer 9. Vous pouvez même monter jusqu'au fer 7 pour cette fin de semaine. Et donc, une fois qu'on va s'installer, là, ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir enclencher donc votre point mobile du début à la fin et de penser qu'à ça. On va pas penser au club, on va penser au point mobile. Si vous savez pas comment le déterminer, vous pouvez nous retrouver dans l'académie pour le savoir, mais c'est tout simple. Premier test, si vous vous retournez simplement et que vos hanches tournent en devant regarder derrière vous, c'est que vous avez un point mobile plutôt bas dans les lombaires L4 L5. Si en tournant derrière vous, les hanches ne bougent pas et que vous avez simplement la ceinture des épaules, ce qu'on appelle la ceinture scapulaire qui tourne, c'est que vous êtes certainement un point mobile haut. Donc là, ce que je vous propose, c'est de pouvoir penser au finish avec cette balle, c'est de pouvoir penser au finish avec ce point mobile bas ou haut jusqu'au bout. Allez, installez-vous, c'est parti, on y va. Première balle. Allez, je tourne jusqu'au bout. Voilà, c'est la première du jour. C'est pas très grave, ça fait encore partie de l'échauffement. Ok, allez, deuxième balle. Allez, installez-vous. On cherche un point mobile donc jusqu'au bout, jusqu'au finish. Très bien. Allez, point mobile du début à la fin. Super. En fait, ce que j'aime beaucoup avec cet exercice de point mobile, c'est qu'on n'est pas dans une pensée figée. C'est-à-dire qu'on est dans une pensée où c'est moteur du début à la fin et ça ne s'arrête pas. Allez, j'ouvre, je ferme. Ok,
J'adore cette sensation, moi, de laisser le corps faire jusqu'au bout, assez facilement. Donc, n'hésitez pas à vous installer, à chercher vraiment une mobilité, mais jusqu'au finish de votre point mobile, hein. Allez, quatrième balle, restez en place. Point mobile du début à la fin. Alors même dans la sensation, vous me direz si c'est la même chose en commentaire, c'est que j'ai l'impression d'aller même un peu plus loin que d'habitude en rotation. Allez, 5 ou 6e balle, installez-vous, c'est parti. Petit peu à droite celle-là. Hop là, petite perte d'équilibre. Ouais, un petit peu à droite. C'était pas. Le point n'a pas bien bougé jusqu'au bout. Allez, dernière balle. Allez, votre point mobile du début à la fin. Vous pouvez le faire aussi sur des essais pour ressentir que soit les lombaires, soit la dorsale tourne jusqu'au bout. Là, c'est super. Ok, premier exercice. Tournez. Le point mobile A au point mobile O, du début à la fin, pour voir, eh bien, en ayant une pensée globale de motricité, est-ce que le finish est meilleur ou pas. C'était le premier exercice, on continue avec le deuxième exercice d'entraînement finish, c'est parti. Très bien, on continue avec le deuxième exercice d'entraînement sur le finish. Le deuxième exercice va être très simple, c'est qu'à chaque fois que vous allez terminer votre swing, je vais vous demander d'essayer de tenir 3 secondes, et de redescendre le club devant vous. D'accord? Donc vous allez faire ça. Backswing, finish, 1, 2, 3. Et je redescends le club devant moi. Alors pourquoi je vais faire ça? Eh bien, une fois que j'aurai terminé mon swing, quand je vais redescendre le club devant moi, vous allez vérifier, et donc ça c'est un petit conseil que je connaissais, mais qui nous a été rappelé par Stéphane Bachot, donc voilà, que je salue fortement, et donc il nous a redonné ce petit conseil, à dire, bon voilà, quand on redescend le club, l'idée, c'est de regarder est-ce que votre phase de club est orientée à midi, 1h ou 11h. Est-ce qu'elle est encore correctement placée? Donc, vous tenez votre finish 3 secondes, je redescends mon club sans me poser de questions. Est-ce que la face est correctement placée? Donc, on y va, on s'installe. On va recommencer un finish tenu 3 secondes. Allez, l'objectif, c'est de se sentir se projeter vers l'avant, vers une position de finale. Deux, ça tient pas trop vite. Alors, ce que j'adore avec cet exercice de tenir 3 secondes et de redescendre le club, c'est que c'est en lien avec votre rythme. Si vous accélérez trop fort, vous n'arriverez pas à tenir. Si vous tournez pas correctement les hanches, si vous poussez pas dans les pieds comme il faut, la tenue de votre finish, elle sera pas possible. Donc là, je m'installe. Ok, allez, on doit trouver le bon rythme pour que le finish soit correct. Trois. Hop, et on redescend le club devant soi. Boum. Ok, la face était bien placée. La balle est droite. Allez, on continue. Troisième balle. Allez, cherchez le bon rythme. On y va. Deux, trois, on redescend le club devant soi. Alors moi, perso, dans cet exercice, j'ai envie d'aller très vite. Je le sens que mon rythme s'accélère. C'est pas bon, ça. On va essayer de se calmer un petit peu, hein. Allez, tranquille, jusqu'au bout. Ah, rien à voir, regardez, là, je peux tenir des heures. Je redescends le club devant moi, la face est bien placée. Si vous voyez qu'il y a une face qui est à gauche, malheureusement, c'est que le grip n'est pas bon. Si la face est à droite, même chose. C'est que le grip ou l'orientation de la face, quand vous avez commencé, ne sont pas bons. Allez, cinquième balle. Avec ce superbe coucher de soleil
sur le golfe du Touquet, au trou numéro 11. Voilà, et je remercie bien évidemment le golfe du Touquet, golfe de Vimereux et d'Ardelot, pour m'accueillir pour faire toutes ces vidéos sur la superbe région de la Côte d'Opale. Allez, dernière balle, un finish tenu. Ouais, ça c'était très bien. Et on redescend le club devant soi. Parfait. Voilà pour cette série de balles. Objectif, tenir un finish et redescendre après ce finish devant soi la phase de club pour voir si la phase de club est bien placée. On passe au troisième exercice talon pointe. C'est parti. Pour continuer, le troisième exercice que je vous propose, c'est de pouvoir faire le lien avec vos pieds. On avait dit que les pieds, c'était très important. Là, on a parlé un petit peu de votre motricité, de votre point mobile. On a parlé un petit peu aussi de cette sensation de tenue en lien avec le rythme, hein, d'accord ? En fonction des accélérations que vous donnez, vous allez tenir plus ou moins l'équilibre. Et là, le troisième exercice, c'est de ressentir talon pointe. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de placer le club devant vous et de sentir que vous faites talon extérieur gauche, pointe droite et intérieur de la pointe droite. Comme ça, si vous êtes sur l'orteil ou l'intérieur de la pointe, vous serez vraiment sur le talon gauche. Et donc, si vous êtes sur le talon gauche, vous avez tourné. Et si vous êtes dans cette position, normalement, vous pouvez tenir fortement l'équilibre jusqu'au bout, sans problème. Et c'est que les étapes seront respectées dans le bon ordre. Donc là, ce que je vous propose, c'est de pouvoir vous installer. D'accord ? Juste avant de démarrer, vous allez chercher donc à tourner dans le talon gauche et la pointe droite et d'aller au finish. Ok ? Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez vous installer, vous essayez de reproduire cette position finish. On y va. Allez, première balle. Voilà, je ressens que mon bas du corps a vraiment tourné, je suis pointe droite, très bien. Ok. Donc ça fait partie, de l'entraînement pour sculpter votre finish. D'accord ? Donc là, on y va. Hop, ok, talon gauche, pointe droite. Je sens que ça se tord un peu dans la cheville. Un petit peu moins bien celle-là. Trop vite. Trop vite, je l'ai dit. Je vois que le soleil se couche. J'ai envie de me dépêcher de faire cette vidéo alors qu'il faut prendre son temps dans son swing. Donc on y va, troisième balle. C'est bien fait pour moi. Allez, je prends mon temps. On y va. Allez, talon pointe. Ok. Ouais, là c'est parfait. Là c'était parfait. Le talon pointe était vraiment bien réalisé. Alors ça se peut, il se peut que dans cet exo, à un moment donné, vous ayez tellement la cheville qui tourne avec votre pied que vous en ayez un petit peu mal. Mais c'est pas grave, faut bien vous échauffer. C'est ça que l'échauffement est important. D'accord ? Le but c'est pas de vous faire mal, mais c'est de ressentir que vous êtes dans la bonne partie du pied. Allez, quatrième balle. Talon pointe. On y va. Voilà, ça c'était fabuleux. Là, ça fait 4-5 balles que je propose à part une qui était vraiment très bien. Allez, balle suivante. Je tourne dans les pieds. Ok, je suis prêt pour ce troisième exercice. Ouais, très bien. Oh, quelle sensation ce talon pointe. Extraordinaire. Ouais, super. Alors là, les balles sont assez neutres depuis tout à l'heure, donc ça veut dire que ça bouge bien, et puis en plus que la face doit être bien placée. Allez, dernière balle, talon pointe. Tout petit peu perdu l'équilibre avec mon club, mais par contre, je suis toujours dans la bonne partie du talon. Ok, super. Voilà pour cet exercice talon pointe, qui est à mon avis essentiel. Donc pensez à aller au finish. En passant par cette position et en cherchant des points de pression, en allant chercher des points de pression très très détaillés et très fixes au sol pour que vous ayez tout simplement un excellent finish et donc que vous soyez passé par les bonnes étapes pour aller à ce finish. Super, on continue avec le quatrième exercice, c'est parti. On continue le quatrième exercice avec quelque chose en fait que j'adore proposer, c'est travailler avec le souffle. Alors le souffle, pourquoi ? Parce que entre votre position de backswing et pour aller jusqu'au finish,
Ce que je vais vous demander, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir un bon équilibre au finish, d'avoir une bonne position stable, d'accord? C'est un des éléments importants dans les pieds. On va parler au dernier exercice du lien entre le tronc, le bassin et le tronc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour tenir l'équilibre, il faut que ça soit associé à une certaine vitesse. Et donc cette vitesse, on va l'associer au souffle. Donc on va faire tout simplement des souffles, des rythmes différents. On va faire un souffle par exemple très lent, et on va swinguer. Un souffle très rapide, d'accord, et beaucoup plus explosif. Un souffle trop rapide, explosif à mort, pour voir en fait quel est le bon rythme qui nous permet d'aller au finish et de tenir l'équilibre. Donc là, on y va, on va s'installer. On va s'installer et à partir donc du début de votre descente, vous soufflez. Donc vous soufflez doucement au début. On va faire un souffle continu, donc backswing. Et je tiens. Okay. Et l'idée, c'est de voir quel est le rythme idéal qui vous permet de tenir l'équilibre jusqu'au bout et donc d'avoir normalement une bonne frappe et un swing équilibré. On va démarrer les deux premières balles avec un souffle à 25%. Backswing. Oh là, dur de tenir l'équilibre pour ma part. C'était la première. Eh ben, c'est peut-être pas mon rythme non plus, c'est rien. On continue. Hop. C'est ça l'entraînement, c'est aussi faire des erreurs, n'oubliez pas. Allez, backswing. Ouais, ça c'était très bien. C'était très bien, là je tiens vraiment bien l'équilibre. La première était un peu trop en dessous justement des 25%. Ok, on continue les deux balles suivantes, où là je vais souffler à 50%. Je souffle à 50% pour bien connaître mon... Hop là, on va y arriver. Pour bien connaître hop, le rythme idéal. Alors si vous ne savez pas ce que c'est 50%, pour la petite info, c'est que vous soufflez à 100%. Ok, donc ça c'est 100. Et puis après vous refaites la moitié. Ok, et après vous refaites 25. Comme ça vous allez trouver le bon rythme. Donc là on y va à 50%. Allez. Backswing. Ouais, ça c'était très bien. Et l'idée c'est de souffler jusqu'au bout pour temporiser, hein. Le but c'est ça, hein, c'est temporiser, hein, c'est tout ce qu'on cherche. Allez, une deuxième à 50%. Backswing. Oula, tout petit peu à droite là. Allez, reviens. Parce qu'il y a un peu de châchis là-bas. Ok. On finit deux balles par 75 ou 100%. Donc là, vous accélérez le plus fort possible en soufflant le plus vite possible. Allez, backswing. Ah, ça a été génial. Bonne balle de la soirée. J'ai pas tenu parfaitement l'équilibre. Par contre, c'était un super ressenti. Allez, vous me direz en commentaire là où vous pouvez vous prendre en photo là sur le. Vous prenez en photo et vous l'envoyez sur la story Instagram hashtag OPP Golf Academy. Et comme ça, je vous partage ça pour montrer vos entraînements. Allez, 100% pour aller au finish. Backswing. Celle-là, je l'ai vraiment accélérée. C'était pas mal du tout. Ok, sur cette série de balles, quel était votre rythme préféré? C'est-à-dire votre descente pour aller au finish stable qui vous aura permis en tout cas de synchroniser la vitesse et l'équilibre pour terminer votre swing parfaitement. Pour finir cet entraînement Swing Sculpt sur le finish, je vous propose de passer au dernier exercice où on va lier l'axe du tronc et du bassin avec bien sûr le bas du corps. C'est parti, dernier exercice. Pour terminer cet entraînement Swing Sculpt Finish, ce que je vous propose en fait, c'est de regarder et de vous prendre en vidéo pour pouvoir vérifier au finish et pendant bien sûr votre traversée, quel est l'alignement entre votre tronc, votre bas du corps et votre club. Donc l'idée c'est que on va en donner trois. Le premier, on va dire que on peut avoir un finish en fonction des souplesses trop cambré. Vous voyez bien là, les lombaires se creusent énormément par rapport au tronc, au haut du tronc, à la ceinture des épaules, et donc j'ai mon bassin qui est trop en avant. Donc ça, c'est pas un bon finish. Ça veut dire qu'en général, je crée des glisses du bas du corps qui font que je me retrouve complètement
en cambrette dorsale, comme ceci. Et donc malheureusement, je vais gratter, je vais toper. Alors je peux taper fort comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est très contraignant pour le dos et malheureusement, ça peut à terme avoir des répercussions très graves au niveau santé pour le corps. Deuxième finish, ça va être un finish justement où là j'ai mon tronc qui est beaucoup trop en avant par rapport à mes fessiers. On voit bien que là mes épaules, la ligne de mes épaules tombe devant. Ici regardez, hop, elle tombe devant mon pied avant. Donc ça veut dire que malheureusement je n'ai pas généré une action du bas du corps et donc que je me retrouve à me projeter comme ceci en avant. Et donc là, je suis plutôt en train de regarder ce qui se passe devant, regarder les bateaux là-bas. Alors que dans cette position, ce n'est pas l'idée. Je ne vais pas avoir de puissance. Alors je ne vais pas forcément me faire mal, parce que mon dos est plutôt arrondi. Mais je ne vais pas créer de rotation et je ne vais pas avoir de puissance avec le club. Donc ça, ce n'est pas un super finish. Dos plutôt avancé et rond, c'est vraiment pas l'idée. Alors je suis sur le pied avant, certes, hein, ça me permet peut-être de toucher la balle. Mais j'ai très peu de rotation de bassin dans ces positions. Voilà, je me projette plutôt en avant. Le bon finish, c'est le finish en fait qui arrive équilibré en termes d'alignement. L'alignement de la colonne vertébrale, même si vous avez beaucoup de rotation ou vous en avez moins, peu importe. Si j'ai moins de rotation, en fait, je vais finir comme ceci. Je vais être sur le talon gauche, mon tronc va être empilé avec ma jambe avant et je vais avoir les mains au-dessus de mon épaule, comme ceci, avec le club qui finit parallèle au sol. Donc ça va donner 1, 2, ici, d'accord ? Et je vais me retrouver parfaitement équilibré et je vais me retrouver ce qu'on appelle empilé. Si je le fais aussi dans votre axe, backswing, finish, ok, les trois sont empilés. Club, ligne d'épaule, ligne de bassin, talon, pouf, je suis empilé. Ça, c'est un premier bon finish. Le deuxième bon finish, en fonction des rotations, on voit aussi les joueurs qui tournent un peu plus. D'accord ? Chez les juniors, chez les dames ou chez voilà, les hommes qui sont un peu plus lax, souples, on voit des finishes où les mains sont plus loin à gauche et qui sont aussi empilés. L'idée, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un dos complètement cambré comme ceci en arrière. Ça, ce n'est pas forcément l'idée. Tant que vous avez votre ligne d'épaule qui commence à tourner là jusqu'au finish, vous pouvez le faire en même temps que moi. 1, 2, elle se retrouve plutôt parallèle au sol, ou en tout cas cette ligne d'épaule légèrement avec l'épaule droite plus haute, c'est plutôt bon signe. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que l'épaule droite soit trop basse trop longtemps. L'idée, c'est que cette épaule, à un moment donné, elle remonte pour rééquilibrer les plateaux. Ça, c'est super important. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de vous prendre en vidéo. Vous prenez en vidéo, vous faites votre finish et vous regardez en fait quel est l'alignement entre votre tronc, votre bassin, vos épaules. Et bien sûr, est-ce que vous avez votre poids sur votre pied gauche. Donc pour terminer, soit un dos cambré, soit un dos trop arrondi, soit un dos aligné avec le bassin et la jambe gauche, ce sera plutôt un bon finish. Et bien sûr, dans ce finish, on va avoir un pied droit et un genou droit qui déroulent. Je vais être parfaitement équilibré et je vais avoir donc une rotation plutôt complète avec mon regard qui est vers la cible. Voilà pour cet entraînement Swing Sculpt. Merci à tous d'avoir suivi cette semaine. J'ai vu que vous avez été réguliers, vous m'avez envoyé de nombreux commentaires. Et je vous en remercie du fond du cœur parce que voilà, c'est pas simple de tourner beaucoup de vidéos parce qu'à côté, je fais aussi beaucoup de vidéos pour les entraînements de l'académie. Donc, merci à tous pour vos commentaires. Continuez et si ça vous plaît et si vous aimez la chaîne, continuez et dites-le-moi parce que je vous avoue que ça m'encourage également pour continuer à en faire et à vous proposer des solutions et des entraînements. Voilà, je vais vous inviter à participer prochainement, donc là, la prochaine vidéo au challenge trajectoire. Vous verrez, une belle surprise vous attend.